Hey, et ta mère? Où est-ce que tu as? Je sais où tu Salut à tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play de Resident Evil 6 sur PC. Donc, on va pas te dire grand chose pour le moment parce que on va encore avoir une scène cinématique. Ça va être assez rapide, vous allez voir ça. On va juste s'occuper de faire un petit tour en attendant, que notre ami Jake fasse le taf, hein, parce qu'il est en train de se rebeller. Et il va casser des gueules. Elle a tout bien résumé. On va pas se battre si on n'a pas d'armes. Donc, grosse phase d'infiltration ici. Donc, ne cherchez pas à vous battre. Ça ne sert à rien. On va juste se contenter de taper les ennemis, hein, très fort. Et d'espérer une mort de leur part rapide. Voilà. Parce que cette séquence-là, vraiment, elle est horrible. Elle est vraiment horrible. Si vous vous faites repérer, c'est l'enfer sur Terre. Donc là... Oh putain, si je suis chaud, là. Là, pour le coup, ça s'est bien passé. Alors là-bas, on a un infecté. Super, on a le checkpoint. Ah bah j'ai vu le code, tiens. Attendez, je vais être sûr du code. Je vais être sûr du code, parce que c'était... le signe en bas. Enfin, au milieu de la deuxième ligne deux fois. Et là, je sais plus ce que c'était. Je trouve que c'était l'étoile. Donc voilà. En fait... Il y a des ennemis qui vont faire un... Enfin, il y a une boucle, en fait. Hein. Il y a des ennemis qui se rendent ici pour taper le code et pour rentrer à l'intérieur de la porte. Ok. Tac, tac, et l'étoile. Voilà, tout simplement. Faut juste suivre. Et là encore moins simplement, ah bah tiens. Ouh, ça fait mal ça. Alors pourquoi il ne récupère pas son arme? Ça c'est un mystère. Ah oui, ils ont une connerie monumentale. En fait, je vous explique. Là c'est Jake qui est en train de tirer sur les ennemis. On va être obligé avant de nettoyer la zone. On peut pas détruire pour le moment le... Qu'on appelle ça. L'emblème, c'est pas possible. Parce que j'ai rien, je peux rien jeter. Hein, malheureusement. Est-ce que ça serait le même code?
Je pense pas. Ah si, c'est le même code. Bah tiens. Autant pour moi. Si je mets au milieu ce qui... On va y faire du tout. Il ne fait absolument rien. Donc là ici, on a l'emblème. Hein, si jamais on souhaite le détruire. Je crois qu'on est vraiment obligé de revenir avec Jake ici. Donc si vous voulez le récupérer, eh bien vous le... Vous retournez avec Jake et il vous détruisez ça. Jake! Where are we? China. Obviously, but where? Why? Don't know, don't care. No, I am done being their guinea pig. What did they do to you? Plenty. They said something about using my antibody to enhance the C-virus. Oh, no. What else did they say? You know anything about an Albert Wesker? What? Take that as a yes. They talked about him. A lot. I guess he had an antibody that could fight off any virus. Apparently, he abused his gift. Took it for granted. And then ended up turning himself into some kind of monster. And I thought Daryl Dad was just a deadbeat who skipped out on us. No, 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 he was actually a freaking nut job who almost destroyed the world. Your father's actions have nothing to do with you. Yeah, but his blood does. It's the whole reason why we're even here. I mean, come on. You really think that crazy doesn't run in the family? That nothing of who my father was didn't somehow get passed on down to me? You of all people should know that's true. I'm just saying. The man that I am, things that I've done, at least it all makes a little bit more sense now. You can blame your father all you want, but at some point, you have to take responsibility for your own actions. C'est une bonne chose de partir comme ça seul devant. Je suis pas convaincu moi. Ah d'accord, on peut juste se cacher à l'intérieur, ok. Il n'y a rien à récupérer, quoi que ce soit. Bon bref. Alors, on va continuer. Alors on peut pas retourner sur nos pas de toute façon. Et lui, il vient pas d'ici. Au moins ça c'est réglé. Ici on a un petit cadeau. On a un emblème. Voilà. Donc le deuxième emblème. Hein. Donc considérez qu'on a récupéré le premier. Hein. De toute façon je peux pas vous le montrer. C'est un peu compliqué avec Jack et Sherry. Parce que, en fin de compte, les deux... Enfin, on est obligé, vraiment, si on veut le récupérer d'un coup, c'est faire le jeu à deux. Malheureusement. Donc après le coup de l'emblème, une fois que vous avez fini le jeu, vous retournez, vous cherchez juste le chapitre correspondant, et c'est réglé. Mais je pense que je vous le montrerai.
Parce qu'il y a une grosse différence quand même entre le passage avec les deux personnages. Ça peut être intéressant. Je sais pas encore comment je vais tourner ça, mais je vais vous montrer, je pense, la partie inédite avec, avec Jake. Parce que les autres parties sont relativement identiques, hein. Léon et Elena, il n'y a pas de grosse différence. Les passages... À la limite, les passages dans la grotte où l'on est séparé, on peut y revenir avec soit l'un soit l'autre, donc c'est pas... C'est pas très grave, quoi. Alors... Je rappelle qu'on a récupéré nos armes, hein. Ça c'est une bonne chose. Donc il est temps de s'en servir. Vous avez vu à droite, j'ai des jetons. Bon, ce sont des jetons de casino. Toi tu te protèges mais pas la tête, c'est dommage. Ces jetons de casino, on va devoir les récupérer. Putain, qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà, c'est qu'on va y aller avant que tout disparaisse. Donc ces jetons, on va devoir les récupérer. Nickel. Pour pouvoir tout simplement ouvrir, actionner un mécanisme plutôt, on va dire ça comme ça. C'est une partie qui est très libre. C'est une partie que j'aime bien. Donc j'ai pas trop de mal à la faire. Hein. Va falloir vraiment fouiller partout. Alors ils appellent ça des médailles d'identification. On dirait surtout, vous savez, enfin, les jetons pour jouer au poker, quoi. C'est surtout ça. Alors on peut se cacher. Ça sert à rien. Mais on peut se cacher. Mais ça ne sert à rien du tout. C'est le problème. Là, je sais pas vous, mais cette salle me fait penser à la salle des chiens Mario 1. J'aurais peut-être dû mettre des chiens ici. Ça aurait été peut-être une bonne idée, je pense. Ah oui, alors on peut détruire les lustres. J'aurais peut-être dû le garder, mais bon. Je sais très bien que je m'en servirai jamais. Alors, autant vous le montrer comme ça. Quelqu'un en haut, non? Oui, il y a quelqu'un en haut là. Donc n'hésitez pas à fouiller partout. À tirer sur tout. Hein. Bon alors. Ça reste du R6, hein. Là le lustre que l'on peut détruire, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a aucune interaction avec le décor dans ce jeu. C'est surtout ça qui est dingue. C'est même les lampes, on peut pas les détruire. On peut pas aller ici, hein, c'est un... Il y a un mur invisible. Ah, c'est juste une zone qui fait spawner les ennemis. Hein. À part ça, il y a... rien. Pas tirer sur ça, hein. Bah oui, non, mais je suis con, c'est le truc du lustre. Enfin, je pensais qu'il y avait autre chose en fait, mais non, pas du tout. Alors, quelque chose en haut, apparemment. C'est très l'ennemi qui a fait tomber son. Mais voilà, c'est le dernier ennemi qui a fait tomber sa médaille. Ah! Juste ici, c'est pour ça qu'il faut fouiller les bibliothèques. Je vais refaire un petit tour quand même dans les bibliothèques, on sait jamais, j'en ai peut-être oublié un de jetons. Peut-être là, je sais pas. Ça reste très moche quand même les textures des bibliothèques, hein. C'est assez affligeant ou affolant, je sais pas. Enfin, c'est un des deux en tout cas. C'est un jeu qui est sorti en 2012. Des beaux jeux en 2012, il y en avait déjà. Hein. Il y en avait même beaucoup. Il y avait des textures beaucoup plus chatoyantes que ce que l'on a là. Ouais. Ok, on va pas aller là, on va d'abord aller là.
Là-bas, en fait, on a la suite. On va pas s'y rendre. Ça sert à rien pour le moment. Alors, je crois qu'on peut détruire les canapés. Je suis pas convaincu, on va voir. On peut détruire, ouais. Mais est-ce qu'on a quelque chose ici? Ah, si, si, il y a un emblème juste en bas, regardez. On va pas le récupérer. Bon, ça fait partie des peu d'éléments destructibles du jeu. Hein. Voilà, c'est. C'est juste. Une connerie de. Une connerie de canapé, quoi. C'est assez désespérant, hein, dans un sens. Hein. Moi, c'est un truc qui m'avait vraiment choqué. C'est le fait qu'il n'y ait pas grand chose, qu'il faut qu'on ait vraiment pas beaucoup d'interaction avec le décor dans ce jeu. Qui m'avait choqué. C'est un grand mot, choqué. Je sais qu'il y a un bon nombre de gens qui peuvent se brusquer rien qu'avec un jeu vidéo. C'est pas vraiment mon cas, hein, dans l'absolu. Et effectivement, ça m'avait un peu interpellé, voilà. Parce que choqué, je trouve ça un peu fort quand même. Alors toi, tu te calmes de suite. Voilà, tu restes au sol. Merci. Alors voilà la salle principale de cette zone. No kidding. I never saw anything outside the one crappy room they had me in. Alors c'est vrai parce qu'ils étaient retenus comme en fait dans une zone qui n'était pas vraiment perdue, hein. C'est plutôt joli ici, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais tout détruire, je cherche pas à comprendre. On sait jamais, hein. Il y a peut-être des choses juste en bas. Si je fais ça, c'est que je sais que niveau mine, j'en ai assez, hein, et que ça va pas me poser de problème. Théoriquement, en tout cas. Théoriquement, mais bon, là, il y a. En fait, il y a vraiment rien. On va arrêter de détruire des canapés, je pense. Au moins que là, il y a quelque chose juste en bas, mais. Mais je pense pas qu'il y ait quelque chose. Même sous les canapés, à la limite. Non, y'a rien. Ah, eux, je les déteste. Voilà, et bon, pendant ils font pas long feu avec le magnum. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est relativement sympathique. C'est que quand vous mettez un coup de magnum dans quelqu'un, généralement, il fait pas long feu. Généralement. Viens ici, toi. Ah, j'ai plus de balles. Donne-moi des balles. S'il te plaît. Je veux des munitions de pistolet. Donne-les-moi. Non, des points d'habilité. Bon. C'est pas grave. Ouf, alors lui, il a fait un massacre. Je sais pas d'où il vient. Alors, il me donne pas les munitions que je veux, mais c'est pas grave. En tout cas, le pauvre, il a rien compris du tout. Ce qui lui est arrivé, là. Voilà, ça m'amuse, hein, tout simplement. Alors, c'est fermé, malheureusement. Alors je sais très bien que j'ai un fusil de précision, je peux m'en servir.
J'ai quand même pas joué à ça pour le moment. Je peux pas lire ça. Je pense que je dois mettre quelque chose dedans. Jake pourrait probablement lire ça. Alors vas-y, lis ça si tu veux, hein. 3 medallions pour l'Ouest. Il dit qu'il faut 10 medallions pour gagner passage à l'Est. Vous avez compris. On va devoir mettre les jetons. Donc là, on en a 3. Ça m'ouvre. Enfin, ça me libère l'accès, en fait, à ce chemin-ci. Donc là, il nous reste encore 6 à récupérer. Pour pouvoir ensuite terminer la zone. C'est sympathique comme, comme concept, vraiment. Moi, j'aime bien. They were trying to research the virus I'm carrying. It was the same thing I went through after Raccoon City. It was just as shitty the second time. Jeez. I'm sorry. Je suis en train de me dire, mais est-ce que il y a un emblème juste sous la table? J'ai tellement détruit de mobilier que pas spécialement envie de revérifier maintenant. Donc là, ils m'en ont laissé un, donc oh putain. Alors ça aide, hein, les grenades aveuglantes, hein, vous avez vu. J'en ai beaucoup trop. Par contre, le conseil, hein, tourner la caméra avant. Reviens ici, toi. Bon. Ah, si, il t'est décidé. Non, c'est pas lui qui devait revenir, c'est un mec en blanc. Voilà, c'est lui. Qui n'a pas muté. Et tant mieux d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce qu'ils vont tous venir sur moi comme ça? Ce qui serait une bonne chose, parce qu'en fin de compte, on va niquer tout le monde. Ah, il va muter lui. Voilà. Ça, c'est bien. C'est que deux coups de McDom, généralement, ils ont tendance à se calmer. Hein. Bon, chose qui est moins bien, c'est qu'ils ne me donnent pas de médaillon. Mais bon, on peut pas tout avoir dans l'absolu. Et ici, on va avoir un gros clin d'œil à Resident Evil 1 avec le piano et avec la photo d'un chinois en grand. C'était pas dans les R1, ça. En tout cas, il est là. Ah, je suis plutôt satisfait des grenades aveuglantes. C'est vraiment le truc que je mets de côté, généralement, quand je joue à ce jeu. À tort. Vous avez vu que ça permet, parce qu'on peut les déglinguer vraiment rapidement. J'espère que je vais pas me faire tirer dessus, par contre. Merci. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû attendre de buter tout le monde, bien évidemment. Ah non, encore un. Ah, c'est immonde, ça. C'est une abeille. Alors là, comme ça, franchement, je me souvenais même plus qu'il y avait des espèces de... de super abeilles de la mort là qui peut m'attaquer de cette manière. Putain, je l'avais pas vu celui-là.
Normalement, vous mettez un coup de pied comme ça dans une porte en verre, comme ça, vous la cassez. Hein. C'est comme ça, c'est la physique, c'est normal. Là, ici, une salle très jolie. Avec une vue aussi très jolie, hein, qu'on se le dise. Normalement, on peut récupérer bien plus que les 10 jeux, voilà, bien plus que 10 jetons. Je vais quand même continuer à fouiller parce qu'il me faut des, munitions. Ça, par contre, c'est le bienvenu, ça. Ouais, non, ce qui me choque, par contre, c'est que j'ai plus d'herbes rouges que d'herbes vertes. Ça, c'est... Ça, c'est assez extraordinaire. Ah, encore un... Encore un médaillon. Il me semblait d'ailleurs qu'il y avait des ennemis ici. Bon, il n'y en a pas. Bon, on va pas faire la fine bouche, hein. On va pas pleurer pour ça. On va se barrer, on va revenir sur nos pas, en fait, hein. Toi, tu vas te calmer. Non, mais rapidement, hein. Voilà. Là, c'est fait. Est-ce qu'il me laisse quelque chose? Ah, il laisse des médaillons. Vous avez vu ces traîtres, hein, les médaillons? Ça apparaît pas aussi rapidement que les balles. Faut faire un petit effort de... Ah, merde, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est quoi tout ce monde là? Mais quelle violence! Eh hey, mais c'est vraiment le corps à corps dans ce jeu, il est hard. Hein. Alors là... Je sais pas d'où ils viennent. Vraiment, j'aime bien savoir d'où ils viennent tout cela. Il doit y avoir une porte qui... Enfin, même pas, il n'y a pas de porte, ils font ce qu'ils veulent. En fait, s'ils ont envie de faire apparaître les ennemis du néant, ils le font. Ça, je l'ai fait, ce passage-là. Ouais, je l'ai fait. Oui, donc s'ils ont envie de faire apparaître des ennemis, ils le font, hein, dans l'absolu. Hein, c'est pas le problème. Ah, ça, c'est dommage, j'ai vu, on ne peut pas sauter. Je vais vérifier un petit truc. Non, je pensais que ça avait un truc, mais en fait non, pas du tout. Alors, on va mettre les 10 jetons. En fait, j'en ai bien plus, hein, que... ce dont j'en ai besoin. Donc là, nouvelle porte à droite, on trouve un moyen de communication. Attendez là, je vais juste vérifier un petit truc. On peut continuer à en mettre. Hein. Je vais mettre le reste, tiens. Ça sert à rien dans l'absolu, mais... Enfin, ça sert à rien. Oui et non. Ça permet surtout de récupérer cette arme. Le prince après on peut plus revenir. On peut plus la récupérer donc. C'est vraiment dommage de s'en passer. Vous avez vu, on a récupéré aussi des grenades. Parce que il fait aussi lance-grenade. Merci. Merci le jeu. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a tout intérêt à fouiller toute la zone avant de continuer ici. What is this? Data from your experiments.
Here we go. Hello. It's all right here. Why don't you call your boss? It's me, Sherry Birkin. Yes, he's okay. We were detained at a facility in China. Really? All right, I'll send you our exact coordinates. They're already here in China. It's over. We're saved. Well, hallelujah. So are you ready? Done. Now let's get the hell out of here. Ils ont quand même une chance énorme, hein, vous avez vu, hein. Comme par hasard, son employeur est ici, en Chine. Je rappelle que l'on connaît son employeur, hein, techniquement. Hein. Techniquement, j'ai dit. Ah, un tank. Formidable. Alors, avant de courir, il va falloir que le tank détruise la statue. C'est comme ça. Putain de merde. Ça va, c'est bon, c'est fait. Allez, on va se lever. Parce qu'en fait, on a l'emblème ici. Voilà. Donc ça, c'est pour l'emblème. Maintenant, on se barre. Pas rester ici éternellement. Sachant que les ennemis sont relativement vénères. Et ils sont beaucoup trop pour moi, donc je vais me barrer. Ah, ça c'est traître, ça. Ceci étant, je rappelle que j'en ai une mitraille. Ah oui, bah lui il peut se barrer, c'est vrai ça. On a une mitraille, mais on a surtout le lance-patate qui peut aider. Bon, il est en train de courir dans le vide, ça m'énerve. Je perds mon temps avec lui. Oh, sans déconner, il va se faire tirer dessus juste maintenant, cet enfoiré. D'habitude, je me prends les dégâts quand c'est comme ça. Le jeu, je cherche même pas à comprendre. Il me tue. Ouais, ça va, j'ai eu de la chance. D'accord, ok. Merci, le jeu. Et voilà, allez hop, c'est fini. Première mort, non? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut bouger en fait. C'est moi qui fais un peu le con. Ils aimaient nous mettre un peu des trucs un peu immortels ou un peu imbattables ou des choses improbables d'ailleurs. C'est drôle parce que il va trouver un moyen de nous rejoindre le machin. Drôle. Je sais pas si c'est vraiment drôle après, mais en tout cas, malheureusement, il va trouver un moyen. Oh là 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 là, mais quel manque de chance terrible! C'est ce qu'on appelle une journée de merde. On réussit quand même à s'enfuir. Mais malheureusement...
on se retrouve agressé par un tank. Là, c'est passé à côté de moi, mais c'est miraculeux là. Là, j'étais censé mourir. Ah, il a survécu cet enfoiré, tiens. Alors d'ailleurs, l'emblème de l'art, c'était le dernier. Hein. Voilà, c'était le dernier qu'on pouvait récupérer. Bah, je vais t'aider. Faites bouger la statue. Comment je fais? Donc là, je suis en train de me faire agresser. Ah mais je crois qu'il est en train de... Il est en train de se débrouiller tout seul, je pense, mon ami, non? Attends, prends la moto, J'aimerais au moins me barrer d'ici, si ça dérange personne. Bon, ça va, le jeu s'est débrouillé tout seul. Là, normalement, le temps qu'il est pas censé nous suivre. On est relativement très loin, donc c'est pas possible. Voilà. Rang A. Bon. Étonnant, sachant que le rang A, généralement, je l'atteins tout le temps en mourant plus de fois que ça. Peut-être que vu la durée du chapitre, je pense que le juge s'est dit non, c'est pas possible. Là, 3 morts pour celui-là, c'est pas possible. Bref. Voilà pour cette vidéo. C'était pas très long, hein, un chapitre qui est pas... Les chapitres sont plutôt courts avec eux, ça je vous l'avais dit. C'est pas le scénario le plus long de ce jeu. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien, tout simplement, je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play de Resident Evil 6. Allez, ciao! Alors... On se retrouve en fin de vidéo. Je vais vous montrer le passage Indy avec notre cher Jake. Je trouve ça intéressant de vous montrer ce passage là. Et puis de toute façon, on a comment dire. Je vais aussi vous montrer comment récupérer l'emblème. Parce que là, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que voilà, je vais le récupérer en direct, en fin de compte. Donc j'ai rejoué le chapitre pour vous le montrer, je suis obligé. Voilà. Oui, la clé. Autant pour moi, il faut récupérer la clé. C'était pas un passage qui est très long. Hein. Normalement, ça prend autant de temps que de faire le passage avec... Comment ça s'appelle? Avec elle, voilà. Allez, chérie, excusez-moi. Ça me revient. Donc là, c'est une cinématique qu'on a déjà vue, hein, donc je peux me permettre de parler au-dessus. Bon, c'est du bonus, hein, mais je sais plus si la cinématique a pris différente. Normalement, c'est pas différent parce que.
quand on fait un scénario, généralement, il n'y a pas de cinématique différente dans un même scénario. Si on fait la même séquence avec deux personnages, les points de vue sont différents. Mais quand c'est comme ça, non, non, c'est exactement la même chose. Donc elle va fuir, hein. On a les preuves de, comment dire, d'infiltration, on va dire ça comme ça. Et avec lui, voilà, c'est du combat. Puis moi, ça vous permet un peu de voir le gameplay de Jake, hein, tout simplement. C'est la même chose, hein, qu'on soit d'accord. Mais j'aime bien ce passage. J'aime bien ce passage. Alors tout est blanc par contre, hein, ça vous avez vu. La luminosité, faut vraiment pas la remonter après. Ça me fait un peu mal aux yeux, personnellement. J'ai du mal à supporter là. Trop de lumière comme ça, ça me fait mal. Alors vous pouvez aller en mode bourrin avec lui, c'est pas le problème. Parce que lui au corps à corps, il est quand même relativement au-dessus. Alors attention, parce que j'ai quand même plus d'énergie. Ah d'accord, ok, donc le jeu est comme ça. D'accord. Donc attendez, je vais récupérer un peu des forces, non? Et ouais, non, j'ai essayé de... J'ai essayé de passer, mais ça l'a pas fait. Ah d'accord, ok, donc lui il se casse, formidable. Alors attention, parce qu'avec lui il y a... Alors c'est différent, hein. Vous avez le corps à corps où vous perdez de l'énergie, et vous avez le corps à corps où vous devez viser avec les poings. Un peu comme si vous aviez tout simplement le couteau de Chris ou de Léon, ou la matraque de Sherry. Là j'ai du mal, là j'arrive plus à me souvenir. Pourtant, je vous le dis, alors en fait, je vous parle du futur en quelque sorte, parce que j'ai fini en fait les deux, le scénario, je l'ai fait en une fois. Donc là, je viens de le refinir, mais je viens de le refaire parce que on peut pas recharger les chapitres pendant que l'on fait l'aventure. On est obligé d'abord de terminer le scénario pour refaire les chapitres. Voilà qui est un peu chiant. Elle est déjà là. Donc voilà pour le dernier emblème. Normalement, elle est là. Elle va devoir voilà, copier le code. D'accord. En fait, il y en a un qui surveille là-bas. Et ensuite... Ok. Là, elle arrive d'ici. Les ennemis, comme avec Thierry, viennent nous agresser. Et ensuite, on est déjà à la fin de ce chapitre. Hein. Enfin, de cette petite partie, voilà. Donc voilà pour cette petite partie. Hein. Cette fois, on se quitte vraiment. On se quitte vraiment sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires, partager les vidéos si vous avez aimé, hein, et si c'est le cas, bah, je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play, véritablement, de Resident Evil 5. Allez, ciao tout le monde !